Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnam Lock et c'est parti! Hop là, le petit F5, le petit F1. On va remettre notre armure pour libérer de l'inventaire. Alors, il s'en est passé des choses, il s'en est passé des choses. Regardez, il n'y a plus l'échafaudage. Et oui, les choses qui se sont passées, c'est que j'ai fini le toit. J'ai fini le toit au niveau extérieur, mais au niveau inférieur. Intérieur. J'ai pas tout fini. On va le faire ensemble. Et regardez, on a deux personnages. Oh! Alors ici, j'ai mis une tête de Husk parce que le serveur du bar de Moriarty, c'est une goule qui s'appelle Gob. Voilà. Je pense que Gob, c'est le diminutif pour Goblin. Hein. Ils ont voulu faire un petit jeu de mots et tout. Donc voilà. Donc j'ai mis une tête de Husk pour faire la goule, voilà, le serveur. Ici, par contre, il y a une petite radio. Alors, dans le jeu, quand vous faites le jeu et que vous restez dans Mégaton, que vous ne la détruisez pas, il y a une petite radio et vous parlez à Gob pourquoi la radio marche pas et tout, parce qu'il est en train de pester sur la radio. Et c'est là où commence la quête de Galaxy News Radio et à la quête de Tree Dog. Et bah là, je peux pas mettre une radio plus grosse que Gob, forcément. Donc, j'ai rien mis. On me tape peut-être une. Vous savez que j'ai un tableau qui représente le Galaxy News Radio. On le me trappe peut-être contre le mur. Je sais pas. J'ai rien mis pour le moment. Et ici, il y a la fille avec qui vous pouvez avoir une relation payante. Bien sûr. Alors je ne l'ai pas mis dans la chambre en haut parce que déjà elle n'est pas faite la chambre en haut. Et puis vous la rencontrez ici la première fois. Donc ça c'est la tête de Mel Patate. C'est le compte spectateur de je ne sais plus. De Bazon je crois. Je crois il me semble. Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est le compte spectateur d'un des joueurs. Donc voilà qu'il a appelé Mel Patate. Donc voilà, je ne sais plus de qui c'est, à qui ça appartient, mais voilà, c'est la fille que l'on drague, enfin que l'on drague, qui nous propose ses services pour moyennant finance. Voilà. On va s'attaquer, nous, au haut. J'ai commencé, comme vous pouvez le voir. Donc, comme vous pouvez le voir, le toit est complètement fini du niveau extérieur. Il va falloir lisser, il va falloir bah, remettre des. Soit des blocs, soit des dalles pour faire l'intérieur. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, tranquillou. Tranquillou, les amis. On va pas se prendre la tête. On va pas se prendre la tête. Je mets. J'amène. Hop là. Mon personnage sur la console au niveau au-dessus pour voir un petit peu où j'en suis. Tac, voilà. On va placer la barrière, tout simplement. On va faire, ouais, j'ai pensé faire un peu de build. Clairement, on s'approche de la fin, hein, les amis, clairement. Donc, j'ai pensé vous faire un petit peu de build du haut. Finalement, c'était, ouais, c'est le. On va faire d'abord le tour. Et puis, je redescendrai pour mettre ce qui peint un deuil. C'était le bâtiment le plus difficile à faire, honnêtement. Et on en arrive à la fin, finalement. On a réussi à le faire, ce bâtiment, finalement. Le bâtiment qui reste à faire de l'autre côté, là, dont j'ai fait le contour. C'est pas le plus difficile à faire. Et ça sera le dernier bâtiment de Mégaton. Alors, ici. Ici. Quatre, c'est ça? Ai-je bien compté? Une, deux, trois. Et au quatrième, oh, deux, trois, quatre. Donc au quatrième, on en met une là. Voilà.
une dans le coin voilà, une autre dans le coin voilà, et une deux et au troisième en partant de là, une deux trois voilà, parfait, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Merde, j'ai pas amené le chêne noir. Oh, on va aller chercher le chêne noir ensemble, les amis. C'est pour les portes. Parce que je vais faire, je pense, le sol en sapin. On va rester sur du sapin classique. Pour le sol. Oh, pourquoi je passe par là? Je ne sais pas. Il y a des escaliers. Vous savez que dans le jeu, je passe aussi par des endroits assez inconcevables. On essaye toujours de prendre des raccourcis. On est dans le jeu. C'est vrai. Il me reste plus que 3 là. J'en ai fait quoi des autres? Ah non, j'en ai 3 en plus parce que j'ai enlevé certaines que j'avais mis en disant bah, quand j'aurai le bloc, je mettrai le bloc à la place. Et oui, j'ai remplacé certains blocs, effectivement. Donc ça prend sens que j'en ai 3 de plus. Hop, on remonte, on remonte, on remonte. Ça aurait été un projet phénoménal, un mégaton, pour moi. Voilà. On va mettre un peu de lumière ici. Voilà, plus joyeux. Plus joyeux. Salut Gob, salut. Je sais plus son nom à la fille. Je ne sais plus, honnêtement. Hop là, alors. Tac. On va poser notre hop là. Table de craft, on va la poser ici parce que là, il n'y a rien de spécial. Elle gênera personne. Petite porte qui mène à l'intérieur. Donc cette pièce-là est finie. Simplement, cette pièce-là est finie. Il ne manque plus qu'à la meubler. Alors soit on le fera aujourd'hui, ça dépend. À quelle vitesse, j'avais envie de dire, on va faire l'intérieur. Ça dépend. Parce qu'on a regardé pas mal de trucs encore à faire. Là, il y a des briques du Nether qu'il va falloir remplacer par des blocs. Là, bah, faut continuer le mur, tout simplement. Donc ça dépend. À quelle Combien de temps ça va nous prendre pour tout faire? Donc une, deux. Alors attendez. Voilà. Je reprends là. Une, deux et trois. Je m'étais demandé sur le moment, est-ce que je fais. Est-ce que je fais en off? Ou en épisode, et je me suis dit, allez, voilà, je vais le faire en épisode, ça peut être sympa. Ça changerait un petit peu de la déco. Donc dites-moi hein, si. Si. Hop là. Vos impressions? Vous savez, comme je le dis toujours, je suis, ben moi, je suis un builder. Donc, c'est, je vais pas laisser un trou là, parce que. Alors attendez, là je serai là, ça ferait ça. Tac, tac, tac. Attendez, attendez. Peut mettre ça là, ça serait caché. Parce que là, il y aurait ça. Je suis un builder décorateur, donc c'est ça peut être pas très évident de trouver
de se diversifier. Ben, c'est comme les redstoneurs. Merde. Quand tu es connu pour la redstone, après, pour se diversifier, moi, la redstone, j'y connais Kochi. Voilà, comme ça. Comme ça, les amis. Donc. On a. Oula. C'est rien. C'est que moi qui me suis cassé la gueule. Donc le haut, le plafond, en fait, il est. Je vais peut-être le remplir. En fait, c'est pas grave si je le remplis de briques du Nether parce que ça sera caché. C'est peut-être ce que je vais faire. Ça sera caché. Je vais vous montrer ça. Donc c'est pas bien grave. Ouais, mais c'est pas legit, Fred. Hein. Fred, là, t'es pas legit. T'as été legit tout le long. Tu dois rester legit. C'est normal. Bon, d'accord. Vous voyez, hein, le. Conscience d'un homme. C'est beau, moi je dis. Voilà. On va remplir tout simplement avec les. On va refaire le pattern qu'on avait en haut, hein, tout simplement. J'aurais pu laisser creux aussi. Ça craint rien, on est dans un mushroom et puis c'est des trous dedans. Mais c'est par souci de. Hop. Donc là, ça va venir là au-dessus. Vous voyez? Hop. Donc ça, limite le toit, je pourrais le faire après en off, c'est pas gênant. Hop là. Il faut que je regarde ces poutres. Elles vont où là, ces deux poutres qui descendent? J'ai deux poutres qui descendent là. Attendez, je vais regarder ça vite fait sur le pense-couillon. Alors. Oui, effectivement, il y a deux poutres. Alors, ça, déjà, c'est pas un bloc. Hop, hop. Je l'avais mis en bloc parce que c'est retourné. Ça, c'est un bloc. J'ai deux blocs, c'est ça? Hop, j'ai deux blocs. Ensuite, j'ai. Attendez, il faut que j'aille à. Elle est là. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Hop. Ensuite, donc disais-je, j'ai ça. J'ai une troisième poutre qui est là. Et j'ai une dalle. Et j'ai une dalle que je n'ai plus. On va transformer tout ce sapin. De toute façon, le sapin, c'est du transformable. Hein. Il y a vraiment que le chêne que je me sers en poutre. Et que je transforme à l'occasion, mais. Mais c'est tout. Hein. Et là, donc, pareil. Erft. Là, ça veut dire. Tac. Oui, qu'on l'avait déjà mis. Hop, voilà. Enfin, je vais pas vous faire le plafond. Sinon, ça va vous donner la nausée. Ce qui pourrait être très drôle pour moi, mais. Non, je finirai le plafond en off, les amis. Je vais tout simplement. Oula. Je vais tout
tout simplement, on va tout simplement continuer ce qu'on avait à faire. Alors là, on va mettre une pierre et les pierres. Oh. Une pierre. Et là, ça sera la porte. Donc, nous aurons, et je regarderai par l'intérieur après, enfin par l'intérieur, dans mon pense-couillon, bien sûr. On a ça. Ensuite, hop. Et pourquoi j'ouvre pas les portes là? Ah, mon jeu a buggé dans la console. Allô? Ok. Parfait. Je vous prie de m'excuser. Je suis en train de quitter le jeu et de le reprendre. Donc pour le moment, qu'est-ce que je fais quand j'ai un jeu qui bug et que je dois le reprendre? Je fais du plafond, voyez-vous. Voilà. Nous faisons du plafond. Voilà. En attendant que le notre jeu que nous croyons en bon fonctionnement, hein, se débug. Vous allez voir que ça va me dire que les serveurs Minecraft, alors que je suis sur une partie solo, hein, finalement on aura fait tout le plafond grâce au jeu qui a buggé. Donc là, il est en train de se réinitialiser. Tranquillou bilou. Pendant qu'il fait orage chez nous. Voilà. Je suis de retour dans le jeu. Et je peux toujours pas ouvrir les portes. Pourquoi? C'est des portes à boutons ou... Non, ça veut pas. Bon, va te faire foutre. J'ai cassé la porte, hein. On va pas réinitialiser le jeu 15 milliards. 15 milliards de fois. Ça veut pas ouvrir les portes, ça ouvre pas les portes. J'ai donc décidé de casser la porte. De toute façon, c'est juste un créatif pour me montrer où faut que je place mes blocs. Je vais pas me laisser emmerder. Hop là. Voilà. Donc là, on va faire le plancher. Tranquillou. On va peut-être mettre une lumière quand même. Tranquillou aussi. Hein. Donc là, on aura une autre porte que je vais mettre. Voilà, comme ça. Donc là, on a une porte. Là, on a une autre porte. Et ensuite, il faudra que je quitte complètement le jeu, la console et tout pour que ça réinitialise comme il faut. Et là, clairement, ça m'arrive en milieu d'épisode, ça m'énerve. Clairement. Attendez, non, je suis pas sur le bon côté là. J'ai pas l'impression. Non, ouais, c'est là. C'est là. Ouh. Tu veux pas t'ouvrir? Allez hop, tu gicles. Non, mais. On va se placer comme ça. Donc, on a là, on a là. Et on a là. Voilà. Il faudra aussi que je prenne mes places pour Japan Expo.
Donc j'y serais bien, hein, la Japan, bien sûr. Pierre Ansourd. Je serai à la Japan Expo. Pour ça, il n'y a pas de souci. J'ai pas encore pris mes places. Oh. Ni réservé l'hôtel encore. Hop, 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 hop. On regardera, mais je crois que là, ça va être des dalles en haut et je sais pas encore. Faut que je vérifie. Je vais pas rectifier quelque chose que je n'ai pas vérifié. Toujours vérifier avant de rectifier. Voilà. C'est le truc du jour. Alors attends, allez. Me serais-je gouré? Pourquoi j'ai mis une pierre? Je suis d'en haut une pierre. Là, c'est pas une pierre. Hop, hop. Tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. C'est ça. Ensuite, c'est ça. Alors je sais que certains, quand ils ont un modèle comme moi, bah c'est le mashup Fallout, n'hésite pas à tout détruire pour voir comment c'est fait et tout. Moi, je ne suis pas comme ça. Je préserve le plus possible, en fait. Je préserve le plus possible. Non, c'est là. Non, attendez. J'ai un doute. Tac. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Après, c'est sûr que, voilà, si ça... Si ça veut faire chier en se bloquant, c'est sûr qu'il n'y a pas le choix. Mais sinon, je préserve le plus possible. Voilà. Là, on a une autre petite pièce qui est faite. Et qu'elle pouvait le voir. Donc, ça va être du build, hein, là, clairement. On va builder généreusement. Et là, il va y avoir aussi une autre pièce. Tac, tac. 3. Donc 1, 2, 3. Et... Voilà. Tranquillou, bilou. Là. Nous avons une poutre plus ça. Donc nous aurons une autre por une porte en coin, c'est ça? C'est directement. Donc je vais replacer quand même mes portes. Hein. Vous en conviendrez. Si je peux placer des trucs. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Si je peux prendre. Alors on peut, l'autre fois je m'étais gouré, on peut sur la console prendre des blocs en appuyant sur un bouton, c'est simplement que mes touches n'étaient pas configurées pour. Voilà. Simplement ça. Donc ouais, il y a une porte là, à moins que... ouais, non. S'ouvrait de là. Tu es plus te placer de là, toi, on va te faire foutre. Hop. Je dis des gros mots. Le Fred. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Là, 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 là. Donc là, nous aurons
pareil, hein, une. Alors, attendez, si je rentre, normalement, il y a une séparation ici. Ouais. Il y a une séparation ici. Donc, mine de rien, dans deux, trois épisodes. Est-ce qu'on est optimiste? Est-ce qu'on est pessimiste? On aura fini Mégatonne, les amis. Mine de rien. Et oh, c'est pas de la balle, ça? Moi, je dis que c'est de la balle. Hop. Alors, attendez. Parce que là, les amis. Ça fait comme ça. Et ensuite, ça fait autrement. Alors attendez. Deux. C'est du chêne. Donc pourquoi ça fait pas là le bloc? C'est parce que ça part d'un nouveau bloc. Hein. L'autre, il est en niveau bas. Et je place celui-là en niveau haut. Et là, il y a deux chaînes aussi. Voilà. Là. Normalement, c'est tout bon. On laisse comme ça. On touche à rien. C'est comme ça. Là, 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 là. Ouais, c'est très, très l'amusement. Voilà, c'est parfait. Donc là, on a cette petite pièce qui est faite et qui reste comme ça, qui est très choupie. Là. Alors, on va passer à la pièce à côté maintenant, où on va casser aussi la porte. Alors, je vais d'abord mettre des limitations avant d'éclater la porte. J'ai pas le choix, ça va, j'ai pas le choix. Oups, je pars de côté. Moi, Noirhawk. Alors, hop. Hop, hop, hop. Donc là, ça sera la porte. N'est-ce Pour ceux qui auraient suivi les premières saisons de Ragna, c'était un délire avec Shadows, hein, le n'est-ce pas tenu comme ça. Parce que j'ai toujours tendance à dire n'est-ce pas. Et puis voilà, on était parti en délire avec ça. C'est pour ça que voilà, souvenir, souvenir. Hop. Donc je suis tout seul sur le serveur en ce moment. Je suis seul. Palap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 al
Mais il faut savoir que bien souvent les critiqueurs ne connaissent pas l'œuvre, enfin l'œuvre de Johnny. C'est pas lui qui écrivait ses chansons, il n'était qu'interprète, mais ne connaissent pas tout. Il y a beaucoup de choses, de chansons cachées, de belles chansons cachées. Certaines de mes outros, d'ailleurs, sont des intros. Vous avez pu remarquer que je ne mets pas toujours que du métal dans les outros. Pour ceux qui écoutent les outros, je ne sais pas si vous êtes nombreux à écouter les outros, mais moi, ça m'éclate de le faire comme ça. Et souvent, je ne mets pas que du métal dans les outros, il faut savoir. J'en mets souvent, très souvent. Je mets quelquefois des slows de métal, donc c'est un petit. C'est pas la chanson complète, hein, c'est qu'un petit. Le début d'une chanson, quoi, l'intro d'une chanson. Et quelquefois, il y a une intro comme ça. Petit air de guitare de Johnny qui passe. Mais comme je le dis encore et toujours, bien souvent, les critiqueurs sont ceux qui connaissent pas quoi, enfin qui connaissent pas toute l'œuvre. C'est dommage. C'est dommage. Donc, ici, on va déjà casser ça. Ça sera fait. Tant pis si ça tombe au-dessous, hein. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Là, j'ai deux sapins. Là, j'ai une pierre. Enfin, c'est du fer, mais pour moi, c'est une pierre. Là, j'ai ça. Du chêne. Pierre poutre. Papier, caillou, ciseaux. Merde, pour mettre la poutre, ça va être un peu chiant, par contre. Je vais devoir descendre, il me semble. Hop là, voilà. Ça sera fait. On va, par contre, finir ça vite fait. Hop, tac, tac, voilà, comme ça sera fini. Bonjour, monsieur, dame. Et donc, normalement, on a notre pièce. Ici. Parfait. Pourquoi une poutre là? Dis-moi un petit peu. Et dis-moi pourquoi tu as une poutre là? Parce que il y a un mur qui se dresse. Voilà pourquoi il y a deux poutres ici. Parce que ici, on a la salle est en fait rapetissée. Par ceci. Hop. Est-ce que ça monte en. Je vois que j'ai une pierre là. Hop. Donc là. Tac. Ah. Là, j'ai. Alors attendez. Ah, pas de commode ça. À mettre. Monsieur. Si. Oh, vous allez voir. Hop, là, j'ai ça, comme ça. Voilà. Et hop, une poutre qu'on remet. Hop là. J'ai mon tapis de souris qui avait glissé. C'est pour ça que je m'y suis repris. En fait. C'est comme ça? J'ai pas l'impression, je le vois pas comme ça. Ah, ouais, d'accord. Ok. Faut que je le remette. Dalle, donc. C'est des dalles, c'est des dalles. Putain, pour le remettre. Si.
C'est des dalles, d'accord. Donc on va mettre. Tac. C'est comme ça? J'ai pas l'impression. Attendez, attendez, attendez. Si, non, c'est bon comme ça. C'est mis comme ça, mais c'est bon. C'est comme ça que ça fait. Bah oui, c'est moi qui. Excusez-moi, j'ai bloqué sur un truc qui n'avait pas lieu de bloquer. Là. Là, je mets ça là. Et. Ouais, il y a le rebord, c'est normal. C'est normal, c'est tout bon comme ça. Je croyais en fait que c'était tout lissé alors qu'il y a le rebord. Donc non, on est bon comme ça. Comme ça, on est bon. Par contre, il va me manquer une porte. Et ça, c'est pas cool. Hop. On va en faire. Donc on est obligé de les faire par trois maintenant. Hein. Enfin, depuis pas mal de versions, mais je veux dire. Voilà, on a une pièce ici. Parfait. C'est parfait et je crois que le haut est terminé. Il n'y a plus qu'à décorer. Qu'à décorer, corer, corer. Oui, je regarde. Le haut est terminé, il n'y a plus qu'à décorer. Je vais voir à combien on en est. Si on se lance dans les décos ou si on attend le prochain épisode, on en a 36, donc on attendra le prochain épisode. N'est-ce pas? Je vais juste... Quoique, est-ce que ça me ferait de la place ou pas? Ouais. Je vais juste remettre... Hop, on va passer à la... Youh! À la vite fait, hein. Comme on fait habituellement, enfin comme je fais habituellement dans le jeu. Bah ouais, je suis pas très conventionnel, hein, j'avoue. Voilà, j'ai fait un peu de place, hein, je vais pas tout vider non plus. Donc voilà, en off, donc je ferai, bon, il y aurait peut-être deux épisodes, hein. Parce qu'en off, je vais faire le build de celle-là. Attendez, hop, youp, youpi. Je vais faire le build de celle-là. Hein. Donc, je vais commencer à monter celle-là, qui est la dernière maison donc de Mégaton. Hein. Dernière, on finit par cette maison. Donc, qui sera la dernière maison de Mégaton. Donc, en off, je commencerai à monter cette maison-là. Prochain épisode, donc, ça sera. L'ameublement de l'étage supérieur. Hop, on va mettre un peu de loupiote aussi là. De l'étage supérieur du bar, donc, hein, avec les chambres et tout ça, et tout ça, et tout ça. Voilà, c'est ce qui sera notre prochain épisode. Et l'épisode d'après, ce sera... Alors, soit... je finis le build avec vous. Tout dépend. J'ai pas encore regardé en quoi le build sera, s'il est compliqué ou pas. Je l'ai pas encore regardé. Je le regarderai certainement bah, après que j'ai fait l'épisode de la déco, puisque ça sera la dernière maison et que ça sera la dernière à laquelle je m'attaquerai donc. J'ai pas regardé s'il était compliqué le build. Je verrai ça. Et soit on fera un épisode build et un épisode déco pour conclure Mégaton. On arrive à la fin, mine de rien, de la saison Ragnablock, puisqu'elle se termine début juin. Donc, s'il me reste un épisode à faire, je ferai ma chambre au spawn. S'il me reste un épisode à faire. Je ferai ma chambre au spawn. Sinon, voir quand finiront les épisodes et ce que j'aurai enregistré. Parce que je peux très bien sortir un épisode après la fin juin. Hein, je peux très bien sortir un épisode après la fin juin. Et enfin, après début juin, après que la saison soit finie, je peux très bien sortir un épisode si j'ai un épisode en stock pour vous, quoi.
Donc, à voir comment on fera. Enfin, prochain épisode déjà d'Eco Duo. Et puis, ben, je verrai pour la dernière maison, quand je la builderai. Si c'est un build un peu difficile, on se la fera en épisode. Si c'est un build facile, une maison commune, je la builderai et on se la décorera pour l'épisode suivant. Voilà, moi je me mets à côté de mon ami Gob. Voilà, on met l'armure, hop, dans l'inventaire. On se fait un double F5. Voilà, on est beaux tous les trois. On est beaux tous les trois. Qu'est-ce que t'en penses, Gob? Hein, on est beaux tous les trois. Mais oui, mais oui, mais oui, on est beaux. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec délices, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, filles, amitié, yoga. Et à très très bientôt. Bye bye.